ce sont la rampe arrière, ça va. Le parachute. Rappel, ouverture 300 mètres, plus haut si vous ne chantez pas. Préparez-vous, on arrive bientôt. Et on fait éjection à la molette, c'est ça? Confirmez. Oui, va vite. Et top Wami, Weldrin, Marcel, Buckball, Aku, Orgen. Putain, ils sont où les arbres? Hélicoptère en train de décoller sur la base. Ah ok, c'est des arbres. Hélico, c'est un Hind. Tout au sol. Je vois qu'il y a un qui sort le pâté de forêt, qui est absolument pas un pâté, mais un gros rocher. Moi je peux me faire chier, je vais pas marcher. Va hein. Les mecs en dessous. Salut les gars. Là. Je suis avec toi Warzen. Jetez vos parachutes. C'est un ride ça, c'est une 8. Jetez vos parachutes. Ouais, stockez vos parachutes ici, on les récupérera tout à l'heure. Attends, on t'entend un peu, Mystery. Ah bon? Et pourtant, je gueule. Moi je t'entends bien, 2 euros, ouais. Ah,
Wildred, Doudou, Wildred, tu peux passer bleu, Akku, Zen, Sparfel et il manque Fuckball qui arrive. J'ai enlevé mes bouchons, mais c'est bizarre. Vert, couvrez le sud et bleu, couvrez l'ouest. Sparfel, surveille ton arrivée de ton binôme là, qui devrait par le nord. Je suis là. Rouge au complet. Et bien, sinon, vérifiez que vous avez bien posé votre parachute derrière le petit caillou. Warzel. On va attendre un petit peu que la reco de Eagle. T'as des gros tours, Azam ? Putain, pourquoi j'entends personne là ? C'est quoi ce bordel ? On s'entend pas. Ah, lève tes bouchons. Mais je les ai faits, je les ai enlevés. Ouais, faible, pardon. Toi aussi, enfin, faible. À coup ? Ouais, je t'entends. On m'entend ? Ouais. J'ai effectivement 4 grenades, 2 smokes, 4 smokes par contre. Ok, bah les miennes ont disparu. Les miennes ont disparu. Avoir plein de flashbangs, non ? Ouais, j'avais un peu de tout, mais elles ont disparu. Oh merde. J'ai dû les perdre pendant le vol. Ça arrive. C'est pas grave, à les accrocher. Bah, j'avais fait des petits nœuds, je comprends pas. J'avais fait des belles cocardes et tout. Transchené, Eagle a repéré un GDSU près de Moustique. Eh, GDSU, ça pue ça. Bah, de toute façon, en général, le nombre d'ennemis est proportionnel au nombre de munitions. Transchené, un BTR entre K2 et la caserne, pour plus de folklore. Non, parce qu'un GDSU, c'est un Shilka quoi. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Mais courte bande. Hein. Ouais mais je suis gars quand même quoi putain. Rouge, vous avez un visuel sympathique de là-haut ? Visuel médiocre étant donné qu'on est pas encore en sommet. Il n'y a pas d'AT en plus hein, chez nous. Hein. Et reçu surveillance de la zone pour l'instant, on va attendre la reco de la fin de la reco de Eagle. La mer est calme. Hein. Ah, je crois que je sais pourquoi je vous entendais un peu. Pas de navire. Et bleu, avancer sur le prochain rocher au sud là. Ok, j'ai réglé mon souci. D'accord. T'as pris bleu en route. Doudou, si tu peux surveiller un peu nord et ouest. Non, ouais, nord-ouest. J'entends super bien. Ouais, pas de soucis, c'est ce que je fais là, je surveille. J'entends mieux. Mmh, ouais. Même pouvoir remettre mes bouchons d'oreille, tiens. Et vers, avancez sur le prochain caillou à côté de la côte là. Ok, tu fais les coms ? De vers bien pris. Ok, je passe devant. Ouais, tant que j'ai de la gorge, après. Bah, ok. Pas sûr de tenir toute la soirée. Tant que j'ai de la gorge. Arrête, je vais faire des jeux de mots au salas après. Tu le sais. En position terminée. On est avec VR pour l'instant. Du coup, je t'ai pas vu Mystery. Du coup, je te prendrais bien une petite grue en cas de. En cas de problème. Ouais, tu veux que je la mette au sol ? Ouais, s'il te plaît. Bien reçu, on l'a aperçu. Ouais. Vous avez les présences d'infanterie sur E1, E2 et le secteur Hector. Elle est au sol. Ok, je me retourne. Alors en profitez là, allumez tous vos strobillards sur vous. Tu veux une smoke ?
Ouais, si t'en as. Je peux pas tout piquer non plus. Tu préfères une verte ou une rouge? Je m'en fous, on y fait nuit. Hop, t'auras une verte. Et au sol. Merci. Bien reçu. Hop, Strobière. Et vers vous montez sur le rocher qui est aux 1885 de votre position. Vers bien pris. Ok, vas-y. Let's go. Bleu, rejoignez rouge qui est sur le rocher sur votre west. Bien pris, bleu en route. Quel contact dans la vigie? Sentinelle dans la vigie. Reçu, tu parles de E2 là. Si c'est là qu'on est, confirmé, c'est à l'entrée du grillage. Ouais. Et Macamec? Ouais, pour l'instant. Bah, l'écho bien en statique là. Ouais, c'est un Hein en plus. Bleu. Bleu en position avec rouge. Hein alors? Ouais. Non, ça c'est la Mi-8 ça. Ah non, ouais, c'est pas ouais, Mi-8. Mais il peut avoir du. Il peut avoir de l'armement sur le côté. Écoute. Il a de l'armement sur le côté. Des tubes, lance-roquettes. Et il peut aussi avoir des tireurs sur les portes. Je vois les mitrailleuses, j'ai du mal à voir si elles sont. Y a un mec ou pas. Y a un doute. À coup. Mmh. T'as un meilleur angle pour voir si la mitrailleuse à la portière est. Ah, je vois rien d'ici. Je suis aussi cubé par quelqu'un. Ah, pardon. Ah, et rouge et bleu, partez sur votre sud-est. On se regroupe tous sur le petit rocher où il y a vert. Ah. De vert bien pris. T'es le seul qui bouge pas. En fait, on bouge ouais, pas. Ouais. En fait, je t'explique la chute. Nous, on bouge pas. Alors, pour information, Gueule a repéré deux camions ZSU, un sur la caserne, un sur Moustique qui ne sont pour l'instant pas occupés. Un BTR entre K2 et K1 et le Mi-8 que tout le monde a vu qui est au-dessus d'Hector. Et le problème, c'est que si on balance, si on coupe l'électricité, je suis sûr qu'ils vont se jeter sur les ZSU. Sur les ZDU? Les ZSU, ouais. C'est des ZSU ou des ZDU? Non, le camion. ZDU. C'est le camion avec okay, le truc à l'arrière. C'est rassurant quand même. Donc la problématique, c'est que les ZDU ne sont pas occupés pour l'instant, mais que si on coupe le courant, ils vont probablement être occupés, ce qui sera gênant pour notre système d'extraction. Ah, tu m'étonnes. La sentinelle, on la traite facile, là. Hein. Ouais. Oh, je voudrais qu'on s'approche de la petite maison là. Oh, j'en ai là. Le bâtiment ah, mais en construction. Il y a un autre mec aussi dans la... au sud là. Backball, t'as pas mis la strobe? Okay. Pas sûr. Et rouge, vous faites un petit contournement par la gauche pour atteindre la maison qui est au 190. Bleu, vous surveillez l'ouest pour l'instant. Ok. Okay. Donc, attention, il y a un autre mirador au sud de la maison là. Il y a un mec dedans. Bleu, vert, vous gardez en dessus. De là. Gardez en vue le mec au 210. Ok. Sans doute où je passe. Sur la maison. Ok. Ouais, ouais. Vers bien. Je garde en vue le mec. Parti. Rouge parti. Ouais, discret. Si ça bouge, on fait feu. Ouais. Ok. Si jamais les mecs tirent, on réplique. Pour l'instant, on essaie de rester discret. De toute façon, ils ont pas de NV, est-ce que pas de noir, c'est con. Ah, je vous ai pas dit aussi, le Mi-8 apparemment est armé de pleines roquettes et de canons de 20 mm. Ah, je vous ai pas dit, on va tous mourir. Bah, ça serait ça. Ouais, et des lumières au 300. Pardon? Espèce de tour. Ouais, mais c'est une tour radio, c'est ah, bon. Oui, c'est une antenne radio. Écoute. Pas de mouvement dans les arbres.
Il est bien reçu, on les a vus aussi. Ben lui, il a failli mourir. Qui? En rouge, en position à l'étage du bâtiment, visuel sur les demi-radars qui encadrent l'entrée. On va commencer à détrayer les mecs qui sont sur E2 et avancer discrètement, sans couper la lumière du coup, sinon les élus risquent de s'armer. Donc, continuez leur coup et surveillez notre cul. Hier sur rouge, vous avez visuel sur le mirador au sud. Ouais, confirmé sur les deux miradors, celui au sud et puis celui juste au nord de l'entrée en fait. Et bien pris, ben rouge vous prenez un mirador chacun en visu, bleu vert vous allez tirer sur le mirador qui est au 210, et bleu dès que le top est donné vous partez sur le petit rocher au 210. Ils sont vachement longs mes ordres, faut que je raccourcisse. Ouais. Et feu à volonté, on est parti. De traiter. Et bleu, vous pouvez y aller. Parti. Bleu. Là, on rejoint un rouge sur la maison. Ils ont du putain de casque, hein. Il a pris une balle dans la tête sans mourir. Hein. Je vais recouvrir la route qui est sur votre ouest pour le moment. Je vais bien pris. Je prends un coup. Ouais, je vais avec toi. Je vais m'aider sur ta gauche pour pouvoir switcher. D'accord. Bleu en position. Le lapin m'a fait flipper. Et bleu, votre objectif c'est de prendre position dans le premier mirador qui est devant l'entrée là à droite. Faut y aller. Vous nous rejoignez à la maison. Allez hop. Le vert en route. En rouge prêt à bouger. Oui, allez. Deux en position. Vert. La route et tout, Eagle nous annonce qu'une patrouille est en train d'arriver sur E2 depuis l'heure. Donc on va l'attendre. On se tient prêt en régie secrète. Rouge. Non, c'est vert. Vert. Oui. Montez à l'étage, vous prenez position. Ok. Ok. Ils arrivent de bleu, patrouille en visuel, pas alerté. Secteur. Et on attend qu'ils s'approchent pour être sûr de tous les défoncer. Ok, on va prendre le secteur ouest. Non, prenez sud-ouest là, couvrez l'entrée. D'accord. Nous, on va s'occuper du 300. Pourquoi je rame? C'est n'importe quoi. Rouge en position dans le mirador. Contact 240. Oui. 2. On surveille tous la patrouille pour l'instant, un stand-by. Ils sont en train de s'éloigner. Écoute, Eagle. Le bleu, oh. La patrouille est en éloignement. 4. Merci de l'info, on la voit, ouais. Il 5. Depuis un hélico. Hein. On leur pique un zédu là, les gars. Les 5 hommes. Ouais, ça c'est clair. Ok, Doudou, on va avancer en vert, rouge, non, c'est vert, vert, bleu. Vous nous couvrez. Ouais, le rouge, je pointe une autre patrouille qui est le long du grillage sur la plage avec mon laser, là. Assez loin. Et c'est pas une menace pour l'instant? Allez, possiblement on approche, mais difficile de déterminer sa trajectoire. Et reçu, bleu est en train, blanc est en train de rejoindre bleu. Oh putain, il y a bien des tireurs ou mitrailleuses sur le côté. Hélico en mouvement. Oh là là. Mitrailleur sur le MI-8. Pour ça, on va faire très très discret pour l'instant. Ça va de ce côté là. Oh, il est bien dirigé l'enfoiré là. Oh bordel. Heureusement que les pilotes sont trop cons pour mettre des NVG.
Dommage qu'on n'ait pas un très gros calibre là, on pourrait faire le pilote. Il se passait au moins en voie chuchotée, pas à moitié. C'est fait. Et Vert, vous nous rejoignez sur le Mirador. Ok. Vert, bien pris. Le statut sur la côte, tout va bien. Le rouge, ouais, plus visuel sur la patrouille qui est probablement reparti vers le nord. Environ 2H2. Voilà ce bâtiment là. Vert. Ah bah vert, vous partez sur le bâtiment qui est au 250, vous avancez tout doucement. Ok, 250. Warzen ? Ouais. On va sur le bâtiment 250. D'accord. Et couillu de faire tout debout, font les ballons. Il fait noir, ils ont pas de NVG. Et rouge, rejoignez-nous sur le Mirador. J'épaule. En fait, négatif, vous attendez juste devant la route. Pour vert ? Non, non, vert, vous rejoignez le bâtiment. Je traverse. Tu traverses ? Je cours. Ouais. Les bleus qui vous couvrent sur l'arrière. Ouais, j'en profite d'allumer les lasers, effectivement. Voilà la putain, l'hélico, on approche. J'ouvre. Vas-y. Ok, reste. Vas-y, rentre en 30 là, putain, l'hélico derrière nous là. Ok. Clear. Vert, statut sur votre position, c'est comment ? All clear. Ah, c'est clear là, c'est bon, ouais. C'est clear. Ok, blanc, on rejoint vert. Est-ce que vous avez des endroits intéressants sur votre ouest là, par des arbres? Négatif, on a des arbres et on a un très mauvais visuel sur l'ouest. Et bon, bougez pas pour l'instant. Le rouge en position. Vous avez un visuel sur un peu plus à l'ouest. 50 mètres max avec des arbres. Si on a des patrouilles qui naviguent au niveau d'Hector là, est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Ouais, négatif. Et bleu, vous nous rejoignez au bâtiment là. Il est dehors, il est dehors. Il y a encore une patrouille qui est en train de glander à l'est du stade. Vous allez avoir bleu qui va se mettre devant vous.
prend quelque chose là? Non, que dalle. Ah, si. Que le MI. Une patrouille qui arriverait par le sud de H3. Donc rouge et bleu, surveillez bien. Si on les a tous en visuel, on va pouvoir les descendre. Le rouge, j'ai eu un visuel partiel d'un homme défilant sud, proximité de H3. Et reçu. Apparemment, ils sont en train de se diriger vers la plage maintenant. On voit une route là ou... Oh, catch. Ah, il y a un caillou là-bas. Si, si, il y a la petite route qui passe juste là au nord. Là. Ouais, ok. Bon, ouais. Garde la route à l'œil. Mmh. De rouge, j'ai un visuel sur la patrouille, sur la plage, effectivement. Elle est quasiment au bord du grillage sur la plage, au sud de H3. Entre H2 et H3 plus précisément. Tactique ou elle bouge? Contact proche. Direction, elle est hors des grillages sur la plage et elle bouge en direction est le long de la plage. Elle va arriver au sud de H3. De verre urgent. C'est bien reçu. De verre urgent, patrouille en approche de Hector, de la petite maison sur laquelle on est par le nord-ouest. Donc combien? Deux. Deux, 50 mètres. Trois. Ils sont peut-être plus, c'est peut-être la patrouille de tout à l'heure, donc 5 a priori. Et vous, faites-vous discret. Blanc et vert. Rouge, est-ce que tu la patrouille avance vers l'est sur la plage? Est-ce qu'il est possible de la choper discrètement? Elle passe devant nous, elle passe devant nous. Chut, chut. Le bleu, on l'a en visuel. Attends pour l'instant. On va alerter. Rouge, plein sud de nous, patrouille alertée. Et rouge et bleu, feu sur la patrouille. Ouais, ouais, ils étaient alertés, les mecs. Et j'éclenche la coupure électrique. Un mitrailleur sur le flanc droit de la maison. Droit de la maison? Flanc droit de la maison, il nous contourne par la droite. Bleu, j'ai Wami à terre. Et j'ai sécurisé ta position. Sur le poteau. Orzen ? De rouge, on s'est fait déborder par le ouest de notre position, on a plus de visuel sur l'équipe qui était devant. Orzen ? Augmente le son. De rouge, j'avance pour aider un homme à blesser à terre, je crois. Merde. Bon, c'est mort. Merde, qu'est-ce que je fais? Merde, j'aurais dû faire attention. Ouais, bon, de toute façon. Et rouge, on est avec un effectif de bleu, on a vu au moins un autre effectif de bleu décédé. À vous, leader. De vers leader down. Ok, des nouvelles de Doudou? Je le vois en train de s'occuper de Warzen, mais je sais pas, il est muet. Vert de rouge, vous êtes combien d'effectifs? Vert, je suis avec Doudou qui a l'air de soigner Warzen à terre. On est donc 3.
de rouge, on est 3 effectifs avec un effectif de bleu sur le rocher au sud de la petite maison. Ok, attends, je me soigne, je lui mets un... Ok, je t'entends doute. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ok, putain. J'ai peur que personne m'entende, j'enlève le garrot. Couvre okay. L'arrière, je crois qu'il y avait du monde de l'arrière. Ouais, ouais. Les mecs de l'arrière qu'on... Ah, j'ai fermé la porte derrière. Faut que je me soigne après. Ouais, ouais, j'ai fermé la porte. Il a perdu beaucoup de sang, Warzen. Ouais, t'as pas de poche? Ouais. Si, si, j'ai une poche, je l'envoie. De rouge, en attendant l'instruction, je propose que mon trinôme pousse en direction de H3. A priori, c'est possible. Il devrait se réveiller. Doudou, tu prends la relève pour le lead? Pff, ça va être chaud, Attends, je me soigne. Ouais, y a juste besoin d'avoir des directives. Ouais, pas de ici Doudou, je reprends le lead pour l'instant. Donc parfait, continue ta progression, ton cheminement. Avec vert, on va essayer de stabiliser notre position. De rouge, c'est bien pris. A priori, on subit encore des tirs d'un ennemi qui serait dans les environs de la petite maison sur son côté ouest. Ouais, c'est chez nous ça. De vert négatif, c'est encore un peu plus loin sur le nord-ouest. Ok, bien pris, parce qu'on s'est fait engager assez proche en dessous de notre chez nous. On va contourner par la plage pour rejoindre H3. Rouge, Digel. Ah oui, il faut reprendre sa radio. Merde, Doudou. Digel pour rouge sur 3-4-3. Ouais, c'est rouge, j'écoute. Information, on est en train d'essayer d'engager le MI8 qui a pris à partie votre chef d'équipe. Putain, je sais même pas quoi lui mettre. Ouais, vas-y, lui. Bien pris, ouais. Faites gaffe à pas nous balancer des balles perdues dans la gueule. Crève pas, Doudou. Je suis pas médic. De vert, Doudou à terre, je le soigne. Qu'est-ce qu'il faudrait que je te mette? Dites les mecs, si je lui mets une épi alors qu'il est dans les vapes et qu'il a une tension et un pouls faible, je le crève ou pas? Peut-être plutôt d'abord lui mettre une morphine, voir s'il se réveille, peut-être qu'il a trop de douleur. Ouais mais il est déjà en faible là, j'ai peur que... Ouais, ok, bon je vais essayer. Pouls faible peut craindre, mais mets plutôt des poches de sang d'abord alors, peut-être si tu peux.
attention. Bon, pouf. Ok. Putain, je peux pas lui prendre son matos, ça nous fait chier. J'ai engagé des ennemis contre la maison, la petite maison. Alors, je sais pas où t'es, à coup tu peux signer ta position. La petite maison au nord-est de H3. Ok, on a battu des contacts qui étaient contre cette maison, même à l'est, sud-est. Ouais, vu, il y a des ennemis qui défilent sur l'ouest de la petite maison, l'ouest de la petite maison. Ils vont débouler sur le sud. Ok, je lui ai mis une morphine mais il se réveille pas, je fais quoi? Il est toujours. Il est redevenu faible là. Tu lui as mis des poches de sang ou pas? Ou il y en a pas? Si, j'en ai mis une, il était revenu à normal, mais là du coup j'ai mis une morphine. Ouais, tu peux essayer les piller alors, peut-être, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Bon, je vais essayer de te remettre une poche de sang au cas où, on sait jamais. Peut-être que je vais te crever peut-être, Doudou, je suis désolé. Ok, ça, il s'aime plus du tout hein. Ouais, je l'ai bandé quoi, je peux pas le suturer. Ah, me fais pas ça. Coupe au sol de Eagle. Parlez Eagle. C'est parce que vous avez besoin d'appui feu. Doudou, je suis revenu. Oh putain, c'est bien. Nickel. Coupe au sol, on a subi beaucoup de pertes. A priori, on est 4 effectifs debout, un effectif. J'essaie de faire comme je pouvais. Personnellement, je propose un repli. Je mets sur Brazen. Ouais, Doudou réveillé, je vais prendre la 548 de Mystery. C'est trop con pour jeter par terre ça. Bon, Warzen revenu. Ouais. Alors, je suis dans quel état moi? Ok, il y a des contacts proches. Ouais. Ok, tu veux que je prenne quel angle à coup? Là ils sont sur le sud, ils sont sur le sud-ouest là, ils sont sur le sud-ouest voire l'ouest. Ok. T'entends les grosses rafales? C'est eux. Doudou, reviens en arrière Doudou. Laisse voir Zen faire le sale boulot. Toi, je vais te donner la 548, tiens, je vais te la poser par terre. Ok. Hop, histoire que tu puisses prendre le relais. Tiens, je te l'ai mise par terre. Ok, merci. Putain, sale. On a failli tous y passer ici. Putain.
Putain, je suis blessé au bras, c'est l'horreur. Ouais, tiens, attends, bon. Attends. Ami. Rouge, la situation. Rouge, c'est très chaud, on est sur le sud de H3 et on subit des assauts à courte portée, on va devoir sortir là, sinon... Repliez-vous comme vous pouvez. Putain, je pense. De toute façon, oh putain, je resaigne. Ouais, je les vois les copains là, ils sont derrière le bâtiment. Ok, essayez de les appuyer, essayez de traiter tous les contacts que vous pouvez dans le coin. Bah, on va essayer de traiter leur couverture s'ils se replient quoi. Attention, contact proche de votre maison, l'autre bout d'équipe. Reçu, quel côté, gauche, droite? Droite par rapport à notre position, je crois. Ok, fais gaffe, c'est sur notre arrière. Ok. Proposal de Eagle. Gueule de troupe au sol. Veuillez nous indiquer la zone d'évacuation que vous voulez qu'on vous récupère. Ok, zone de récupération nord de pâté de forêt. Répète. Ou t'as un contact 148 ou pas? Faites reconnaissance avant de... Ouais, on a récupéré la 148, on a contact avec avec Eagle. Doudou qui s'en occupe là. Gueule de troupe au sol, vous avez bien reçu. Bien reçu, nord de pâté de forêt, nord de pâté de forêt. Ok, bien reçu. Gueule, vous répondez en 343, on va aller en 148. Culé ! Crève ! Attention à toi ! Il fait gaffe. Charge, y'a des mecs derrière nous, attention, y'a des mecs sur l'est. Rouge. De rouge, j'ai décroché en direction est. Est-ce que vous voulez que je vous soutienne ceux qui sont encore dans la maison? Affirmatif, ici commandement, là, on est pris à partie, y'a du monde qui entoure la maison. Essayez de traiter toutes les menaces qu'il y a à l'extérieur de la maison. Sur l'est, surtout sur l'est, on en a vu passer. De rouge, on est revenu sur le rocher qui était proche au sud-est de la maison. Ouais, on va essayer de nettoyer la maison et de venir à votre aide. Je suis blessé à la tête pour info, je mets un bandage. Ok, à coup, allonge-toi. Attends, bah, je suis trop tard, je suis en train là. Ouais, putain. Ouais, ça peut attendre, je pense. Me mets un bandage et ça va aller. Ouais, c'est bon, ça va aller. Je peux temporiser, hein, Doudou. Ouais. Le rouge, on avance sur votre maison. On va essayer de se positionner. Entrée est, vous allez pouvoir vous extraire si on y arrive. Tu vas jusqu'à l'angle. Warzen, à coup, couvrez l'ouest. Ok. Et lui, je crois qu'il est encore vivant là. C'est un russe, hein. Ouais. Ok, on vous entend en rouge. Sortez les mecs, sortez. Allez, vert, on sort. Allez, go. Ok, on vous suit. Vas-y, on vous suit. Ok. Vert, passez en premier. Va pas trop loin, ça sert à rien. Passez en premier, allez sur le. Clair, allez sur l'entrée, allez sur le Mirador. Éclair ici. Vert sur le Mirador. Rouge, vous. Vas-y, je te suis à coup. Bordel, putain, on a perdu que Mystery ou... Non, je crois que Sparfell ou Bleu a perdu un mec. En fait, on n'a pas perdu tant de monde que ça. Hein. Beaucoup de panique pour... Ouais, mais en fait, j'ai pas compris par comment je me suis fait descendre, moi. J'étais pas là, mais je pense que c'est les mecs qui étaient en patrouille juste devant nous. De rouge, on peut décrocher? Rouge décroché. Oh bordel. Sur la maison en construction. Ok, on arrête de courir, de sprinter. Ah, je suis mort là. Faites une pause au pire. Tu sais quelle heure est le flair là? Non, c'est pas nous, c'est eux. Flair sur la ville. Ah ouais, depuis tout à l'heure il y en avait en fait. Depuis quand ils étaient dans les vapes, ils en lançaient plein, c'est con. Ah d'accord. Enfin, c'est con. Ouais, je vous dis, je vois en noir et blanc les mecs, hein, donc.
Ouais, celle-là c'est sécurisé pour l'instant. On a perdu combien de monde en tout, Mystery? Mystery et un mec de l'équipe bleue, je sais pas qui. Non, on a perdu deux personnes. Bonjour, position. Non, on est trop blessé là, on pourra pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu qui vois? Moi je me sens bien, mais c'est toi qui vois. Ouais, non, on est trop blessé. Warzen, tu te sens comment? Le problème c'est que j'ai la tremblote. Mais sinon, je tiens le choc. Moi je vais bien. Alors te le voir. Les rouges, attendez. Eagle pour leader, écoutez, j'écoute. Leader bien pris, attendez. Les rouges, on a un peu regardé au spot alentour de Pâté de Forêt, ça fait acquis. Ok, bien pris, je suis en train d'essayer d'envisager l'éventualité de repoursuivre l'assaut. Le rouge, mon groupe va avoir besoin des soins intégraux, là, depuis des soins un peu plus avancés, là on est tous blessés et blessés qui se trouvent des fois de temps en temps. Ok, bien pris, on va se replier dans ce cas. Je vais venir voir l'état du groupe et je vais envisager ça. Et on reste là en couverture si tu veux. Pouf, putain. L'hélico ennemi a été abattu ou pas? Pas de nouvelles. Je sais pas, dans la confusion, j'ai rien capté. Et vert, vous allez vous replier sur le point pâté de maison. Vert, bien pris. Pâté de maison? Répétez, le point pâté de maison? Pâté de forêt. Pâté de forêt, plutôt. Ok, reçu, on fait un bon. Pas d'avulsion. Donc j'ai juste eu voilà. C'est moi qui ai ouvert le feu sur la patrouille qui était à proximité devant nous. Merde, il faut que je me rebande. Je m'arrête derrière le rocher là. Ouais. C'est moi qui ai ouvert le feu parce que quand ils ont engagé les mecs sur la plage, ils se sont mis en alerte tout de suite, les gars là. Mmh. Et ils étaient à 10 mètres de nous quoi. Je me bande. De vert, on fait une pause, je dois me bander. Ok, bien pris, vert. Limite, on peut vous couvrir d'ici pendant que vous allez sur pâté de forêt. Rouge, on va sur pâté de forêt. Ouais, le truc qui était dingue, c'est que les mecs passaient tellement proche de la maison que les épaules avaient traversé le mur, tu vois. Okay, et en fait, je pense que quand t'as tiré, il y en a un qui a dû se tourner et qui avait le gun dans la maison. Ah, moche. Et qui m'a allumé une petite rafale courte et puis terminé. Je me parais qu'il parle d'octac de Mystery. Là, il y avait un mec qui le quoi passe encore à 2 mètres de moi. Doctag Mystery, j'ai pas pris. Mais qui c'est dépasse, hein. Ouais, vous dépassez, vous allez sur pâté de maison. Le mec, il est passé encore. Et leader, j'écoute. Quand ils se sont mis en stress, les mecs, j'ai tout de suite tiré parce que j'avais le mitrailleur dans ma lunette, quoi. Je me suis dit, les mecs sont prêts, ils sont en alerte. Négatif, on va se replier, trop de blessés dans l'équipe, on ne tiendra pas le choc d'un second assaut. Et il voit encore des mecs ou pas sur la ville? Ouais, il y a encore des mecs. Alors fais gaffe, on a le MI8 plein est. Sérieux? Au large? Ouais, au large. Ok.
piège. Eagle, pas. Le leader, faites attention. J'ai vu le MI-8 traîner à l'est de la zone de combat. Il doit être loin parce que je vois pas moi. Ok, bah je crois qu'ils sont sur pâté de forêt là. Ok, allez, viens, on se replie. Et rouge. Rouge, attendez, okay. On. Ils les payent pas les flares. Ouais, de rouge, on a un sautic sur le rocher de départ. C'est non-stop. En même temps, ils ont pas de NVG, ils ont acheté que des flares. Vous allez continuer sur le même axe, le rocher là qui est un peu plus haut. Ok, marche. Ouais. On va passer en bas. Ah, y'a que deux hommes valides en fait, y'a que. Doudou, faut que je m'arrête. T'es blessé toi aussi. Vas-y. Doudou, faut que je me reborde. Ah oh, putain, ouais. Ah, ouais, je suis blessé à la tête, pareil. Ouais. C'est bon. Je regarde si j'ai encore des bandages. Oula, oula, oula. Eagle, de leader, vous faites engager par le MI8. Ah ouais, je vois des traçantes. Ah, il envoie la purée le MI. Ah, il hésite pas, hein. Ok, j'ai encore des bandages, ça va aller pour moi. Du coup, ça va être chaud là pour la LZ. Ok, si rouge, si le MI le suit là, vous faites une boule de feu dessus. Bon, je suis bandé. Une boule de feu. Ouais, ça s'appelle une boule de feu en fait. Quand tout le monde se tire dessus, ça s'appelle une boule de feu. Parce que là, avec les silencieux à terre, il arrive. Sur nous, il a. Ouverture du feu sur le MI8. Toi aussi? Ouais, vas-y. Ouais, je sais pas si on va faire grand chose au 556. Bref, on peut endommager le rotor quoi. Halte au feu. On bouge vers? Ouais, vas-y, bouge. Allez, Warzen, go! Ouais. C'est que ça va nous gêner pour l'extraction, ça. Ouais, c'est clair. On est baisé de toute façon là. Voilà, du 556 contre un MI8. Prenez les axes de couverture, les mecs. Tu suis Arzan? MI8 est dans ton dos. Hein. Mmh. Ah, je crois que c'était l'Osprey que j'avais entendu. Bah, on l'a entendu, mais. Je l'ai vu en limite vers notre 20. Parce que quand l'Osprey se pose, s'il fait une passe à coup de roquette dessus, on est mal. Non, mort. Ouais. Du cul un peu, j'ai pas le contact avec Iggy alors. Oh putain. Ah oh, merde. Eh ben on va pouvoir nager. Oh merde, putain, je repisse le sang. Couvrez nos arrières. Ok. Gueule de leader, parler. Je suis si petit que ça. Ok, bien pris. situation, si vous êtes endommagé par les ennemis. T'as des yeux derrière la tête, en fait. Oh putain. Ah, ça c'est Eagle qui rapproche. Ah, y'a Eagle là. Ok, vert, vous emboîtez le pas. Tu voulais que je sois. T'es prêt? Attends, je finis de me bander. Les deux blessures s'étaient ouvertes. Ok. Saline ou pas?
après t'as perdu beaucoup de sang. Ouais, je commence à avoir des voiles de partout et tout. Rouge, déploie moi une fumée sur la zone. Où est-ce qu'ils sont, bordel? En haut. Vas-y, passe devant. Touche, on éteint les strobes et rouge, tu balances un fumier, une grenadier. J'ai trop de. Éteins les strobes. Hop, tac. Voilà. Putain, je vois plus rien. Je suis en train de m'éteindre mollement. Vas-y, Doudou. Deux. Pas plus visuel. Doudou. Ok, vert, vous prenez sud. Non, parce qu'il nous a fait éteindre les strobes. Rouge, vous prenez ouest et nord. Je bouge un peu sur les rochers, Warzel. Je viens quand tu peux. Doudou, tu peux me soigner ou pas ? Vert, sud, rouge, ouest et nord. Je suis à l'ouest. Ah merde. Il a fini sur les rotules, je crois. Ça, c'est ce qu'on appelle le timing. Ça va, Warzen? Ouais. Vous avez commencé à engager, ils se sont mis en alerte.